Mon nom est Ésaü Spiritien, président du CEACC, qui est le Comité d'exposition sur les arts et la culture caribéenne. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette première. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une bonne année à tous. On est encore en début d'année. Dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, le CEACC est fier de présenter le film d'animation MacPherson de Martine Chartrand et du film documentaire Le mystère MacPherson de Serge Giguère. En collaboration avec l'ONF et la ville de Magog. À propos du film MacPherson, au Québec dans les années 30, plus précisément vers 1933, le poète Félix Leclerc se lie d'amitié avec l'ingénieur chimiste jamaïcain Frank Rodolphe MacPherson. Amateur de jazz, universitaire et employé d'une compagnie papetière, MacPherson inspire Leclerc qui écrit la chanson portant sur le drive qu'il intitule MacPherson. Dans cette amitié interraciale née au cœur d'un pays divers, au son de quelques airs de jazz, de musique traditionnelle québécoise, de mantons jamaïcains et d'une sonate de Schubert, un chef-d'œuvre vient d'éclore sous les doigts habiles de Martine Chartrand, qui, après Âme noire, revient avec MacPherson. Un film de peinture sur verre, animé sous la caméra 35 mm. Entre la fiction et le documentaire, à travers une suite de séquences porteuses d'histoire et autour de la mise en image de la célèbre chanson de Félix Leclerc, la cinéaste évoque aussi avec délicatesse les sentiments qui auraient lié l'ingénieur, jamaïcain, et l'un des sœurs du poète. Un film à l'imagerie somptueuse. Dans le documentaire de Serge Giguère, le cinéaste filme avec tendresse le processus de création exceptionnel du film d'animation MacPherson de Martine Chartrand. Martine Chartrand est née à Montréal. Elle obtient un baccalauréat en arts visuels à l'Université Concordia en 1986 et un certificat en enseignement des arts à l'UQAM en 1988. Elle est d'abord peintre illustratrice, travaillant pour des sociétés de production, créant des affiches de festivals, enseignant et participant à des expositions au Canada et en Europe. Elle débute dans le domaine de l'animation comme coloriste et conceptrice de décors. En 1992, elle réalise un premier film d'animation à l'ONF, TV Tango, gagnant de plusieurs prix internationaux. En 1994, Bouxière du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts du Canada, elle entame un stage de perfectionnement en Russie auprès des maîtres de l'animation de peinture sur verre, Alexandre Petrov. Lors de ce séjour, elle collabore à la préparation et à la traduction du projet de court-métrage « Le vieil homme et la mère » qu'Alexandre réalise au Canada pour les productions Pascal Blais. De retour au Canada, Martine collabore également au développement de ce film d'animation. En 2000, Martine Chartrand réalise toujours à l'ONF son deuxième film d'animation, Âme noire, Black Soul, animé directement sous la caméra en utilisant la technique de peinture sur verre. Ce film, qui retrace en images et en musique de larges pans de l'histoire des peuples noirs, remporte 23 prix internationaux, dont le prestigieux Ours d'or de Berlin en 2001 et le Jutra du meilleur film d'animation en 2002. Dans la foulée de ce succès, Martine Chartrand donne des conférences, des classes de maître et des ateliers de peinture sur verre en Corée du Sud,
en Italie, à Cuba, au Brésil, aux États-Unis et au Canada. Son troisième film, MacPherson, s'inscrit dans la continuité d'Âme Noire, Black Soul, tant sur le plan thématique que sur le plan technique, puisant dans l'histoire et la diversité musicale pour faire éclore une poésie métissée et évocatrice. Le film remporte plusieurs prix internationaux, dont le prix du meilleur court-métrage et le prix du public pour le meilleur court-métrage canadien au Festival des films du monde de Montréal 2012. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Martine Chartrand. Robert-Pierre Monnier. Alors, moi, je suis un peu intimidé de vous interpréter une chanson de Félix Leclerc, c'est sûr, parce que dans le film, on l'entend chanter. Alors, c'est tellement difficile pour un homme au Québec d'entreprendre de chanter du Félix Leclerc juste avant Félix Leclerc. Alors, les extraits que j'avais vus, moi, c'était une partie de la chanson. Puis là, j'ai dit, ah, bon, OK, moi, je vais toute la faire, c'est bien, mais non, c'est la chanson complète qu'il va faire. Là, je suis pris avec ce petit stress-là. Puis ça commence comme ça. À l'Angélus de ce matin, le chef de drave, le gros Molloin, a dit les billots sont pris. Qui d'entre vous, avec sa gaffe, va faire un trou pour que ça se dégrafe? Celui-là reviendra pas. C'est en chantant son air de jazz que MacPherson a pris le large sur son parka une fleur sauvage. Au-dessus de sa tête, un petit nuage. Du soleil à l'Occident, des diamants plein lac Saint-Jean, des symphonies dessous les flots, un homme tout seul sur son radeau. Ring, ring, pas MacPherson. Ring, ring, où ce qu'on te sonne. Ring, ring, regrette pas personne. La vague est bonne, bonne. Quand le noir s'est vu au large tout seul avec la bouée éternité qui lui jasait au nez, a oublié le monde entier. À son enfance il a rêvé, il a revu sa vieille mamie qui l'a aidé à débarquer. Ring, ring, viens MacPherson. Ring, ring, où ce qu'on te sonne. Ring, ring, ne regrette pas personne. La vague est bonne, bonne. Quand le noir s'est vu au large tout seul avec la bouée éternité qui lui jasait au nez, a oublié le monde entier. À son enfance il a rêvé, il a revu sa vieille mamie qui l'a aidé à débarquer. Dans les remous on a retrouvé un vieux radeau tout défoncé, les chaînes arrachées. Mais le MacPherson en paradis fut emporté par ses amis. C'est Molloin qui l'a dit. Les anges chantaient son air de jazz quand MacPherson a pris le large sur son parka, la fleur sauvage brillait comme l'étoile des mages. Et le soleil à l'Occident mettait du rouge sur son vêtement. Les symphonies dessous les flots ont fait éclater le radeau. Ring, ring, sonnez les cloches du lac Saint-Jean, l'âme de celui qui est triomphant. Ring, ring, les billots ont pris le courant et tout le monde est content.
MacPherson est content. Une main d'applaudissements pour l'artiste Robert-Pierre Monnier. Je vous invite à écouter une autre chanson de Robert-Pierre Monnier. Moi, je vous invite aussi ailleurs. Parce que ce qu'on a vu, la Drave, les rivières au Québec, tout ça, là, c'est... La page est tournée là-dessus beaucoup. Là. Alors, ce que vous voyez là, c'est un personnage. En fait, c'est mon grand-père maternel. Ouf! On est vraiment dans l'histoire de famille. Mais c'est aussi votre grand-père. C'est aussi le grand-père de beaucoup de gens dans la salle ici, vos oncles qui ont connu la Drave. Tous les enfants étaient des bûcherons, faisaient la Drave. C'est pas par hasard que Pierre-Étienne a dit « ben c'est celle-là qu'on veut entendre ». Mais c'est fort en émotion. Par un jour de fête, un jour comme aujourd'hui, le rossignol y chante le jour et la nuit. Et pas encore une pointue, il est en aval, il est en aval, et pas encore une pointue, il est en aval quand je l'ai vu. Il avait les yeux bruns, le cœur tendre comme pas un. Les mains gercées de labeur, un langage plein de couleurs, l'homme du Nord est mort. Dans ses bras coulait le sang, comme rivière au printemps. Il défiait le très haut quand il menait ses chevaux, l'homme du Nord. Tu as le cœur à rire, moi je l'ai à pleurer pour un bouquet de roses qu'elle m'avait refusé. Il est pas encore une pointue, il est en aval, il est en aval, il est pas encore une pointue, il est en aval quand je l'ai vu. Avec un X pour prénom, une parole et pour de bon. Il n'avait pas d'instruction, mais des amis à profusion. L'homme du Nord est mort. Des amis à profusion, oui, qui lui chantaient la chanson. Et quand il s'y adonnait, c'est alors qu'on le trichait. L'homme du Nord est mort. Des amis à profusion qui lui chantaient la chanson. Et quand il s'y adonnait, c'est alors qu'on le trichait, l'homme du Nord. Je voudrais que ces roses soient au rosier, que le rosier même à la mer fût jeté. Il est pas longtemps, il est en aval, il est en aval, il est pas longtemps, il est en aval quand je l'ai vu. Aujourd'hui il est parti, il n'avait pas un cheveu gris. Il n'y a personne qui l'a compris, c'est sa terre qui l'a repris. L'homme du Nord est mort. Je voudrais que ces roses soient encore au rosier, que le rosier même à la mer fût jeté. Il est pas encore une pointue, il est en aval quand je l'ai vu. Dans ses bras gèle le sang, comme rivière au mauvais temps. Il est parti comme un géant sur ses beaux chevaux blancs.
Merci, Robert Pierre. Magnifique. Alors, cette chanson-là, ça s'intitule « Fêlure ». La fêlure, ça permet à la lumière et à la voix de nous atteindre parce que on ne sait pas pourquoi un jour on n'aura plus de voix. Et à la fin, nous n'aurons plus de voix. Alors, cassons la glace, reprends ta place, refais surface. Depuis combien de jours, depuis combien de nuits, traçons-nous tous nos détours. Depuis combien de temps, depuis combien de jours, depuis combien de nuits, au carrefour que l'on fuit toujours. Passons la glace. Reprends ta place, refais surface et pose ma main chaude sur ton front. Bravo Robert, merci. Robert Pierre, merci. Je vais vous laisser avec Martine. Nous vous invitons à prendre un verre, un petit léger goûter. Il y aura du rhum jamaïcain, bien sûr, du rhum québécois et du rhum haïtien.